Dans cette leçon, nous allons étudier la façon de semer des graines en bac. Il existe deux méthodes selon la taille des semences. Nous allons nous concentrer ici sur les grosses graines, celles que l'on peut facilement manipuler une à une. Dans cet exemple, nous utiliserons des graines de tournesol. Nous aurons besoin d'un bac à semis. Celui-ci mesure 35 cm de large, 50 cm de longueur pour une profondeur de 7 cm. Un grillage à poule, dont le maillage est espacé de 3,5 cm. D'un seau de terreau. Celui-ci est composé d'une part de terre du jardin pour une part de compost. Et d'un arrosoir. Étape 1. Remplissez le bac à semis de terreau. Étape 2. Placez le grillage sur le bac à semis et placez une graine dans chaque trou. Vous obtiendrez une plantation en quinconce. Chaque graine est à distance égale de ses voisines, bénéficiant ainsi de suffisamment de lumière, d'eau et de nutriments pour se développer sainement. Étape 3. Après avoir recouvert le bac d'une fine couche de terreau, arrosez délicatement à l'aide d'un arrosoir équipé d'une pomme d'arrosage. Étape 4. Pensez à bien étiqueter les bacs. Inscrivez l'espèce, la variété, la provenance des graines et la date de semis. Étape 5. Vous pouvez maintenant placer le bac dans une serre ou à l'endroit choisi pour vos semis. Les plantes y trouveront les conditions optimales de germination. Étape 6. Quelques jours avant de transplanter les jeunes pousses dans les planches de culture, sortez le bac de la serre et placez-le en extérieur. Les plantes pourront s'adapter au climat local avant d'être repiquées. Cette méthode de semis offre de nombreux avantages. Elle permet d'optimiser l'utilisation de vos planches de culture. Les graines germent dans le bac pendant que les plantes du jardin arrivent à maturité. Au moment de transplanter, vous pourrez sélectionner les plantes les plus fortes et saines, ce qui augmente la santé générale du jardin. Vous économiserez également une grande quantité d'eau. En effet, pendant plusieurs semaines, vous arroserez un seul bac à semis qui contient suffisamment de plantes pour couvrir plusieurs dizaines de mètres carrés.